L'anniversaire d'Olaf. Pour écouter l'histoire, ouvre ton livre. À chaque fois que tu entendras, tourne la page. Si tu n'as pas de livre, c'est pas grave. Suis avec moi. Un matin, Anna se précipite dans la chambre de sa sœur. Elsa, sais-tu quel jour nous sommes ? Demande-t-elle. Voilà un an déjà que tu as été couronnée reine d'Arendelle. Une fois habillées, les deux sœurs croisent leur ami, Olaf, qui s'amuse dans le château. Cela fait aussi un an que j'ai créé Olaf, réalise soudain Elsa. Et si on fêtait son anniversaire, propose Anna. Pour organiser l'événement, les deux sœurs se rendent au marché. Bonjour Håkon, s'écrie Anna en apercevant le marchand ambulant. Nous aimerions acheter tous vos ballons. Ensuite, Anna et Elsa rejoignent Olaf au sommet d'une colline. Leur ami croit qu'ils vont faire un pique-nique. Les deux sœurs arrivent derrière lui et crient en chœur. Surprise ! Le bonhomme de neige sursaute si fort qu'il perd sa tête et son buste. « Oh non !» s'exclame Elsa en se précipitant pour rassembler les morceaux, tandis qu'Anna lâche les ballons pour l'aider. Heureusement, Olaf retrouve vite son apparence. « J'adore ce jeu !» s'écrie-t-il. « Moi aussi, je veux crier surprise !» Mais sans ballon, Anna et Elsa doivent retrouver une autre idée pour l'anniversaire. Elle demande à Olaf de les retrouver au château. Puis elle file voir Håkon. Voici deux couvre-théières pour le prix d'un. Et si on prenait plutôt des instruments de musique, réfléchit Anna. Puis la jeune fille demande à Christophe de les rejoindre sur les quais. Dès qu'Olaf passe près d'eux pour rentrer au château, elle se met à chanter. Joyeux anniversaire, Olaf! Hein? Quoi? Il y a notre Olaf? S'émerveille ce dernier. Je vais le chercher afin qu'on écoute ensemble cette belle chanson. Nous avons un problème, remarque Christophe. L'invité d'honneur vient de partir. De retour au stand d'Håkon, les deux sœurs cherchent une autre idée. Voulez-vous un nécessaire de sculpture sur glace ? Propose Håkon. Non, nous allons plutôt prendre ces bougies, répond Elsa. Au château ? Anna et Elsa décorent un gâteau avec des bougies oranges. Comme c'est beau, s'exclame Olaf. Tandis que Sven se rapproche des bougies. Arrête, intervient Christophe. Ce ne sont pas des carottes. Trop tard. Sven fait tomber le gâteau en essayant de croquer les bougies. Le petit feu a produit un grand feu, se réjouit Olaf. Sans perdre un instant, Elsa glace les flammes. Les deux sœurs commencent à se décourager. Vont-elles réussir à fêter l'anniversaire de leur ami ? Je sais ce qu'il vous faut, déclare Håkon en les voyant revenir. Des décorations tropicales. Anna et Elsa n'ont plus qu'à préparer une fête estivale pour leur ami. Joyeux anniversaire, Olaf ! S'écrient tous ses amis. Avant de lui offrir son cadeau, un gros câlin collectif. Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'histoires. À bientôt!